La délégation de la CEDEAO envoyée à Niamey hier soir a quitté le pays ce vendredi matin sans avoir rencontré le chef de la junte militaire. Cette délégation, conduite par l'ancien chef de l'État nigérien, Abdou Salami Aboubakar, avait initialement pour mission de rencontrer les putschistes au Niger pour présenter les demandes des dirigeants de la CEDEAO et négocier pour trouver une sortie de cette crise. Pour rappel, la CEDEAO a imposé de lourdes sanctions à Niamey et a donné jusqu'au dimanche 6 août 2023 aux putschistes pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions.